L'école de musique de la communauté de communes du Ried de Markolsheim s'invite dans les établissements scolaires de l'intercommunalité. Lundi 29 mars, trois professeurs ont rencontré des élèves de Bindernheim pour leur faire découvrir la flûte traversière, le chant et l'accordéon. On essaye de faire le tour des villages, des écoles, pour toucher un maximum d'enfants de la Comcom. Alors l'objectif, c'est de donner, déjà de faire découvrir les instruments de musique aux enfants, parce que tout le monde ne connaît pas certains instruments, et leur donner envie, peut-être, pour certains, de faire de la musique, de faire un instrument. Alors moi, j'ai essayé de présenter l'ensemble de la famille de la flûte traversière, avec la flûte basse, la flûte alto, la flûte piccolo, pour montrer qu'en fait, il y a plein de flûtes différentes, avec des sons différents, et du coup, on peut aussi jouer plein de styles de musique différentes. Et c'est notamment intéressant quand on fait de l'ensemble, d'apporter des couleurs en fait, de sons différentes. L'école de musique organise normalement des concerts pédagogiques réunissant plusieurs classes. En ces temps troublés, les professeurs ont privilégié des rencontres de ce type pour sensibiliser les jeunes. Alors c'est très différent, là on a plus d'intimité, on peut être plus interactif, quand on rencontre un public plus grand, c'est évident qu'il y a l'artiste d'un côté et le public de l'autre et tout le monde ne peut pas prendre la parole. Tout à l'heure j'ai fait essayer un instrument aux enfants, le poids, rien que ça, c'est impossible à faire si on est dans une configuration avec plus de personnes dans le public, c'est évident. Les professeurs essaient de transmettre leur amour pour les instruments de musique, comme l'accordéon, longtemps considéré comme désuet. Aujourd'hui, il a le vent en poupe. Alors l'accordéon, c'est un instrument que j'adore parce que je le tiens contre moi et il vibre contre moi. Et ça n'a rien à voir avec un autre instrument qu'on touche de plus loin en fait. Ce qui est impressionnant toujours, c'est de découvrir parfois ces instruments qu'ils n'ont jamais vus en vrai, jamais entendus. Et ils sont émerveillés, on voit des étoiles dans leurs yeux et on voit que certains vraiment, on aimerait, ils se disent c'est magique, on a envie de pouvoir en jouer. Et puis c'est vrai que c'est un véritable plaisir de jouer de la musique. Les professeurs voient dans ces interventions un moyen pédagogique de rendre concret ce que les enfants apprennent à l'école. Ça leur permet déjà de voir les instruments, puisque on en parle dans nos programmes, etc. On travaille souvent sur les instruments de l'orchestre. Donc soit on peut travailler avant la présentation, soit après, partir du petit concert et travailler effectivement sur les différents instruments de l'orchestre. Apprendre à jouer d'un instrument à l'école de musique de la communauté de communes du Ried de Markolsheim coûte une centaine d'euros par trimestre. On peut y apprendre la batterie, le saxophone, le cor, le violon et bien d'autres.